avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, le gouvernement de la République du Mali a le profond regret d'informer que les paisibles populations des villages de Dialassougou, Diaweli et Degessagou et les environs dans le cercle de Bankas ont fait l'objet d'attaques terroristes lâches et barbares dans la nuit du 18 au 19 juin 2022. Le bilan fait état de 132 civils froidement tués par les combattants de la Katiba de Massina de Amadou Koufa, dont plusieurs parmi les auteurs ont été formellement identifiés. De même, le communiqué gouvernemental passe curieusement sous silence la mort d'un casque bleu ce dimanche à Kidal dans l'explosion d'une mine, alors que les discussions font rage sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA, la mission onusienne pour le maintien de la paix au Mali. Le gouvernement de la transition se contente de condamner ces assauts meurtriers contre des populations civiles avec la promesse ferme d'en retrouver les auteurs et de les traduire en justice. Ainsi donc, les tueries de masse ont toujours cours au Mali. Malgré la présence des éléments de la société de sécurité privée russe Wagner qui sont portés au nu par la junte militaire au pouvoir au Mali, après leur divorce avec les forces françaises Barkhane et européennes Takuba, qui, elles, ont été vouées aux hégémonies et déclarées non gratas sur les berges de Djoliba. Les hommes de Wagner sont-ils réellement en grève pour rémunération impayée de la part de l'État malien, comme écrit par un confrère panafricain? Ce sont donc les organisations de défense des droits de l'homme et la MINUSMA qui ont raison, elles qui, dans leurs différents rapports, ne cessent de dénoncer des attaques meurtrières contre les populations civiles et des atteintes à leurs droits les plus élémentaires. Les putschistes qui ont déserté les camps militaires et qui ont préféré les palais feutrés au front, où ils doivent assurer la protection des populations dont l'argent a servi à leur formation, sont davantage occupés à défendre ce pouvoir qu'ils ont arraché par les armes un certain 18 août 2020. Chers téléspectateurs, qu'en pensez-vous de cette situation qui sévit du côté du Mali? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.